Attention, vous allez assister à un hold-up sur le 60 mètres féminin. Suivez bien au couloir 3 la Martiniquaise Laetitia Bapté. La hurdleuse de l'US Robert vole littéralement. Elle emporte le butin, médaille d'or 7 secondes 93. Nouveau record personnel, bravo mademoiselle. Le casse aux France en salle, Cynthia Leduc connaît. Comme en 2020, la Martiniquaise a dominé le 60 mètres. Et comme en 2020, elle devance la Mahoraise Nasrhan Bakar. Le temps de Cynthia Leduc, 7 secondes 24. Là encore, c'est un record personnel. L'autre fusée antillaise a pour nom Thomas Jordier. Il a fait très fort sur le 400 mètres. 46 secondes 13, record personnel, un de plus. Mais surtout, Thomas signe à Miramas la troisième meilleure performance française de tous les temps. Pour finir, petit mais costaud, Amaury Golitin, le Guyanais en finale du 60 mètres. Au couloir 6, il rivalise avec Mouhamadou Fall. Amaury termine dans le même temps, 6 secondes 64, mais il ne récolte que l'argent.